Ok, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on va parler de la finale qui opposait le Brésil et les États-Unis pour les Jeux Olympiques. Alors on sait tous que les Américaines ont gagné 1-0 et bah forcément il y a une grande perdante dans l'histoire, c'est Marta. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que Marta en 2004, elle a déjà perdu en finale face à qui? Face aux États-Unis, encore une fois. 4 ans plus tard, en 2008, elle va jusqu'en finale et elle perd encore une fois face à qui? Ben, les États-Unis. Et cette fois-ci, en 2024, elle perd une troisième fois face aux États-Unis encore. Donc les Américaines, c'est vraiment la bête noire de Marta et du Brésil en général. Je vais pas vous cacher que j'étais triste pour elle parce que c'est une de mes joueuses préférées et j'espérais au moins qu'elle gagne une fois dans sa vie une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Malheureusement, ce ne sera jamais le cas parce que oui, elle a décidé de prendre sa retraite internationale. Mais si on doit être objectif, et moi je le serai toujours, bah ouais, Marta n'a pas été excellente durant ces Jeux Olympiques. Déjà pendant les phases de poule, ça n'a pas été excellent. Enfin, c'était pas mauvais du tout, mais voilà, on s'attendait peut-être à plus de la part de Marta. Et ensuite, il y a eu le fameux coup de pied dans la tête qu'elle a mis à une Espagnole. Elle s'est pris directement un carton rouge. Et à cause de ça, elle a été suspendue pendant 2 matchs. Donc, elle a raté le quart de finale et la demi-finale. Heureusement, elle n'était plus suspendue pour la finale, mais elle n'a même pas joué beaucoup. Elle a joué peut-être 30 ou 25 minutes, pas plus. Parce que oui, l'entraîneur n'a pas décidé de la mettre titulaire pour la finale contre les États-Unis. Et on va pas se mentir que quand elle est rentrée, moi, je me suis dit, OK, elle va peut-être changer la donne du match. Mais en fait, pas du tout, ça a même été le contraire. Je trouve qu'elle a pas apporté grand chose. Bon, ça n'empêche en rien au fait que c'est une légende pour le foot féminin et pour le Brésil en général. Par contre, en face, il y avait une équipe qui était, mais pff, incroyable. Les États-Unis, pendant tout le tournoi, c'était vraiment très, très, très solide. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu dans cette équipe américaine, c'est le fait que la moyenne d'âge était très basse. Alors oui, il y avait quelques joueuses qui avaient peut-être 30 ans ou plus, mais sinon la plupart des joueuses avaient entre 20 et 26 ans. Si je prends l'exemple de Sophia Smith, de Trinity Rodman ou même de Naomi Girma, eh bien c'est des joueuses qui ont peut-être 22, 23, 24 ans. Donc c'est-à-dire elles sont très jeunes et pourtant elles ont vraiment apporté énormément dans cette équipe. Vous voyez vraiment pendant les matchs qu'elles étaient fraîches physiquement et ça a fait toute la différence. Et si on prend un petit peu les statistiques du tournoi pour cette équipe américaine, on remarquera que pendant tout le tournoi, elles ont inscrit 11 buts, ce qui est déjà pas mal en vrai vu qu'elles n'ont joué que 6 matchs. Et il faut également souligner le fait qu'elles n'ont encaissé que 2 buts sur tout leur tournoi. Et donc quand tu inscris 11 buts mais que t'en encaisses que 2, ça veut dire que ton équipe dans sa globalité est vraiment très solide. Et si je dois parler des top joueuses de cette équipe, je vais commencer par la gardienne. C'est la plus vieille de l'équipe, elle a 36 ans. Et il s'agit bien entendu de Alyssa Nayer. Je sais pas trop comment on le dit, mais je crois que c'est Nayer. Et honnêtement, elle a sauvé son équipe à certains moments clés du tournoi. Et durant le quart de finale, la demi-finale et la finale, elle a fait 3 clean sheets, elle n'a encaissé aucun but. Et encore une fois, je le répète, c'est la plus vieille joueuse de l'équipe. Elle a 36 ans. Alors dans la défense américaine, il y a également la jeune Naomi Girma qui a été excellente. Elle s'est fait très rarement passer défensivement et dans ses relances, c'était vraiment très propre. Dans le milieu de terrain, j'ai bien aimé Rose Lavelle, même si elle n'a pas forcément joué la finale, mais elle a été importante pendant tout le tournoi. Et par contre, les attaquantes américaines, je sais même pas comment les décrire, que ce soit Trinity Rodman, Sophia Smith ou Mallory Swanson, ça a été mais trop rapide devant. Elles étaient explosives, une très bonne technique, une très bonne finition. Ça a fait énormément de dégâts pendant tout le tournoi et je pense qu'à elles trois, elles ont marqué 9 buts sur les 11 de leur équipe. Et encore une fois, les 3 attaquantes que je viens de citer, elles sont plutôt jeunes. Elles ont entre 22 et 26 ans. C'est là qu'on remarque, mais encore une fois, l'apport de la jeunesse. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, ok, il y a des cadres qui ont 30, 36 ans, notamment Lindsey Horan ou la gardienne Alyssa Nayer. Mais le reste de l'équipe, c'est jeune, c'est explosif, ça va très très vite vers l'avant. Et au final, aucune équipe du tournoi n'a réussi à les arrêter parce que oui, même pendant les phases de poule, elles ont tout gagné. Donc je pense honnêtement que les Américaines méritent leur victoire malgré que j'adore Marta, etc. Mais si on doit être objectif, la médaille d'or revient aux États-Unis. Et j'ai vraiment hâte de revoir cette équipe jouer dans les futurs tournois. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé regarder les matchs féminins durant les Jeux Olympiques. Il y a eu des très belles rencontres avec des très bonnes joueuses qui nous ont vraiment proposé du beau football. Bref, moi je vais continuer mes analyses parce qu'il y a pas mal de matchs féminins qui vont arriver dans les prochains jours. Il y a aussi le mercato estival qui est toujours ouvert avec pas mal de transferts intéressants. Donc je vais rester à l'affût et sinon je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.